Je vais te garder comme coéquipier. Papa! Si par exemple tu gagnes, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Tu viennes avec moi faire du poney. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un centre équestre. Mélanie m'a donné rendez-vous ici. Il est 15h, elle est toujours en retard. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Mon amour! Quoi? Donc les amis, je vous explique. Aujourd'hui, je défie Romain de devenir le meilleur cavalier en une journée. Donc là, vous voyez comme ça? Et ben on va l'équiper, on va le préparer parce qu'il va pas tarder à monter. À te monter? Non, à monter ça. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Go! Bon, en attendant les amis, je vais me changer. Vous en profitez pour vous abonner juste ici. Vous avez 3 petites secondes pour vous abonner. Bon allez, je vais me changer, à tout à l'heure. Hé, hey, mais tu fais quoi là? J'ai des sapates là, doucement. Monsieur le coach. On fait quoi là? Viens mon amour, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Mon amour, je te présente notre coach aujourd'hui pour ce défi. Mais c'est quoi le défi là? Alors bonjour Romain, donc, je m'appelle Kader, je suis propriétaire d'un centre équestre à 14 km de Paris, donc à Le Pin. Donc Romain, aujourd'hui je vais te proposer 3 défis et je vais te faire devenir l'espace d'une journée dans la peau d'un cow-boy. Un cow-boy? Un vrai cow-boy genre? Genre Django? Oui. Ok, vas-y, vas-y. Alors les 3 défis, je vais d'abord t'équiper, je vais d'abord donc te faire en sorte que tu sois pas un semblant de cow-boy, mais un vrai cow-boy avec un vrai équipement western. Donc je t'amène ça tout de suite. Alors mon Romain, voilà donc déjà le chapeau. Le chapeau c'est très important non quand on est un cow-boy? C'est important pour la pluie, pour le soleil. Comme ça? Voilà, tu mets devant. Et j'appuie derrière. Voilà. Les chaps, donc qui vont te protéger éventuellement des... pareil des ronces, mais aussi des coups de corne genre... du bétail. Le pistolet, donc ça c'est pour faire folklore, voilà. Il est chargé hein ou pas? Alors il est pas chargé. Mais si tu m'embêtes, je vais le charger. Ok. Donc on va t'aider à les mettre. Et bien sûr, Django, le lasso. Ah ouais! Le lasso que tu vas devoir utiliser tout à l'heure dans l'un des défis. Mais on va attraper quoi avec ça? On va faire simple aujourd'hui. Pourquoi tu rigoles? Je t'aime mon amour. T'adores les animaux? Voilà. Non, on va pas attraper Poulpette. Ok, d'accord, super, ça me va. Qu'est-ce que t'aurais envie d'attraper avec le lasso? En vrai, je sais pas, on peut attraper des lapins. Dans les films, je vois, ils font ça avec des humains. De quoi? Oui, oui, ouais, oui. Des humains. Oui, des humains, oui. On n'est pas les lèvres, on n'est pas en esclavage. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu dois attraper, genre un cheval, un poney. Par exemple, alors qu'est-ce que tu préfères? Un humain, un poney, un franchement, un taureau, je me vois pas attraper un taureau. Django, je te présente Bambi. Bah, c'est même surnom que moi, en fait, Bambi. Tu t'appelles Bambi aussi? Mon surnom, c'est Bambi, bah, écoute, deux Bambi, alors. Bien, alors, on va poser le lasso pour l'instant, et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour monter. Alors déjà, tu vas te mettre à gauche. Tu vas prendre tes deux rênes dans la main gauche. Les deux rênes dans la main gauche. Dans ta main gauche. Tu vas mettre ton pied gauche sur l'étrier, et tu vas te hisser sur ton cheval. Juste avec les rênes ou je m'attends? Tu peux te tenir là-haut. Allez. Très bien. Ah. Ça se voit que t'es lourd. Même le cheval il a bégayé. Donc tu me prends tes rênes de la même longueur. Tu es bien là? Je pense que je suis bien. Je sais pas, vous pensez que c'est bien là ou pas? Je suis bien. Avoue que mon mec il est beau gosse. En tenue de poney. Un poney? C'est plus un cow-boy? T'es mon petit poney là. Dans tes 3 défis que je te propose, le premier c'est que tu vas essayer de galoper avec ce cheval. Tu vas galoper dans cette partie-là, j'aimerais voir un petit peu comment tu te débrouilles sur ce premier défi. Une équitation que tu viens découvrir, t'es habillé en cow-boy, tu me montres un petit peu comment tu galopes. La direct là, comme ça? Ah ouais. Mon petit pote, écoute-moi bien, si tu veux des carottes tout à l'heure, fais-le tomber, fais-lui la misère, et t'auras plein de carottes, plein d'herbes et plein de foin, d'accord? Tu lui as dit quoi ma vie? Eh hein? Oh babe, tu crois que je t'entends pas? Ah, on gère les bails. Pour une fois qu'il y a un domaine dans lequel j'excelle plus que lui, je suis fier de m'en monter. Oh, il y en a plein où tu excelles plus que moi. Comme quoi? Oh là, il y en a beaucoup. Hein. Mais ma vie, tu vas où? Quelque part. Il y a une clé? Bah, Bay, tu vas où? Tu me laisses comme ça? Ça, c'est bon, il est réalisé le défi, là, c'est bon, là. Je suis dessus, je suis bien, là. Quand t'auras galopé, t'auras réalisé ton premier défi. Allez, beau gosse, vas-y. Hey, mais c'est pas, c'est de la triche, regarde ton maman. C'est tout, hein. Allez, bébé, les talons. Ok, allez, on y va. Dis, Siri. Ah ouais, ah ouais, galope! Vas-y Siri. Je rigolais avec vous, je vais vous montrer comment on fait. Guettez. Allez, vas-y mon pote. Dis doucement mon pote. Déjà tout d'abord. Tu passes sur la moitié du bagage.
C'est bien. Doucement, doucement. Prends les rênes. Prends le chapeau, le chapeau. Arrête-toi. Bon, Django, tu vas un peu vite, là. Quand on débute comme ça, va doucement, tranquillement. Et il est passé où, ton chapeau? Bien, le premier défi est pas mal. Défi assuré, ma vie, t'as vu? Alors, les gars, on parle à qui? Je ne m'appelle pas Django, moi. Qu'est-ce que t'as cru? Alors, ma vie? Qu'est-ce qu'il y a, Django, là? Tu veux monter derrière moi? Pas du tout. C'est vrai? C'est parti pour le défi numéro 2. Kader! Le défi numéro 2! Alors le défi numéro 2, Django, le lasso. Ouais, on va faire quoi avec ça? On va aller chercher un poney, et puis tu vas essayer d'attraper un poney, pour le défi numéro 2. Mais je sais même pas faire du lasso. Eh ben t'as 2 minutes pour apprendre. Là sur mon cheval, là, genre comme ça, je vais faire du lasso. Genre comme ça. Je ramène ce couleur aussi. Vu que j'ai quand même réussi le défi numéro 1, ça mérite quand même un pouce bleu, et un abonnement quand même, juste ici là. Là, là. Hein, ma vie, quand même. On a dit 40. Tu veux trop que je tombe en fait? Oui. Tu veux que je tombe? Oui. Et comment je vais faire pour m'occuper de toi après? Je te rappelle que demain on a un vol, d'accord? Non mais, incroyable ça. Vous avez vu comment elle est? Eh non, c'est toujours moi qui est dans les pétrins. Pour une fois que je t'emmène dans mon environnement naturel, tu vois, et familier, tu veux exceller encore plus loin. Mais non, mais j'excelle pas ma vie, tu m'as donné un défi, j'ai réalisé quand même. C'est que le début, attends la suite. Eh, t'inquiète pas, tu crois quoi toi? Moi je te parie que t'arrives pas à attraper un poney. Ok, est-ce que vous pensez que je vais pas réussir à attraper le poney? Répondez en commentaire s'il vous plaît. Toi tu penses que je vais pas y arriver? Je vais jamais y arriver. T'es sûr? Ouais, même en panier de basket, t'arrives même pas à mettre la patte dedans. Ah quoi? Oui, oui. Ok. C'est tout. Regarde, marche arrière, pas besoin de radar. Radar. Non, t'as pas demandé marche arrière, t'as demandé de choper un poney. Droite, petit coup de talonnade, marche arrière, voilà. Pip, 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 pip. Wow. Moi qui voulais un défi, qui allait mettre en difficulté, ah bah là. Ça, tu tires les rênes. Comme ça? Non, non, côté droit. Et là, genre? Genre au-dessus de la tête. Non, mais faut que tu tournes ton poignet. Hein. Voilà, comme ça. Mais ben, regarde où tu... Là, je l'ai, là. C'est bon ou pas? Regarde comme il est bon. Je vais l'avoir. Ah, je peux lâcher ça, non? Je peux garder que le rond? Bah oui, faut garder que le rond. Tourne ton poignet. Mais ça fait pas le rond. Maintenant, lâche le poney. Moi, je vais te faire avancer le poney et t'essayes de l'attraper. Allez, on y va. On fait un essai. Hein. Allez, vas-y. Emmène-moi dans ton pays magique. Allez. Voilà, là t'as une belle image. Tissue le poney. Il veut pas avancer, vas-y, genre. Tissue le poney, vas-y mon grand. Vas-y, tu lances ton lasso. Allez, hop. Voilà, c'est bien là. Reste derrière. Reste derrière, ton poids de poney. Eh, j'ai pas eu. Bah là, mon amour. Il ne l'aura pas. Ah, Django arrive. Oh, punaise. Mais tu m'as dit que tu allais l'attraper. Eh, Kader, je peux poser mon cheval 2 secondes. Là, tu veux me faire rater? Ouais. Si jamais t'arrives à l'attraper par chance, surtout, lâche le lasso. Au-dessus de ta tête. Il commence à partir au cul. Mais qu'est-ce que c'est? Eh, c'est de la triche. C'est de la triche. C'est pas de la triche. Si, c'est de la triche. Mais ça a un défi. Sauve-moi, petit poney. Non, je vais la voir. Je vais la voir. Regarde mon chapeau. Ah, est-ce que je vais la voir? Dites-moi en commentaire si je vais la voir. Moi, je vais la voir. Tu l'auras pas. Je sors. Tu l'auras pas. Aïe. Ok. Ah mon cobaye. Bébé, t'as du sable ici. Les poteaux, le chrono va être activé. Il va avoir 2 minutes pour attraper le petit poney. C'est parti. Non mais c'est lourd ça aussi là. Oh. J'ai pas perdu. Il reste 1 minute. C'est pas ce que vous croyez. Regarde comme il me regarde en plus. Regarde-le comme il me regarde. T'es là. C'est pas ce que vous croyez. Hein. Je suis pas fatigué. Alors mon amour, l'équitation c'est comment? Ça va, c'est facile. Ouais. C'est facile. Tu couperas ça au montage. Ouais, c'est ça, ouais. Le temps est écoulé. Tu as perdu. Bon, premier défi, il a gagné. Deuxième défi, il a perdu. C'est parti pour le troisième défi. Monsieur Kader! Alors tu t'en es pas trop mal débrouillé, mais pense que l'idée de courir derrière pour essayer de l'attraper, c'est pour ça que le cow-boy il a un cheval. Qu'est-ce que le cow-boy faisait toute la journée avec son cheval? Sa vraie vocation, c'est d'aller convoyer du bétail. Donc voilà. Il est toute la journée derrière des troupeaux entiers. Ah, comme les moutons avec les bergers allemands. Ah, les bergers allemands, les bergers tout court. Ah, les bergers, ouais. T'as vu Bambi, j'ai fait comme toi, j'ai couru. Waouh. J'ai plus de jambes, j'ai mouru. J'ai du sable dans les cheveux partout. Attendez 2 secondes, il y a vraiment des vaches qui vont rentrer là? C'est une vache, un mouton. Oh non, il y a des cornes. Ça fait mal aux fesses le trot, hein. Alors, ton défi maintenant, ça va d'aller tout seul. Là-bas, tu les emmènes de l'autre côté. Bien. Allez, tu leur peux faire un tour complet. Allez, un tour complet.
Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te garder comme coéquipier. C'est vrai? Ah, tu rentres dans la team, le petit Far West. Oh, trop bien. C'est juste incroyable quand même la sensation de... Bah, de leur dire où aller. En fait, c'est moi le pilote sur mon cheval. Et ben la surprise, c'est qu'on va rentrer à l'écurie à cheval. Oh la classe! Et c'est toi qui passes devant. Moi? Ben ouais. Oh la classe! On y va. Salut, salut, ça va? Ça va. On m'a dit qu'il y avait une belle femme qui rôdait dans ce paysage. Mon amour, je suis pas du bétail. Je passe te prendre à 7h. T'es au galop, ok? Oh allez, ah, ça y est. Eh, hey, et si tu changes d'avis, tu sais où me trouver? Ah. Je serai dans mon écurie. Vas-y, mon pote. C'est comme ça qu'on est un cow-boy. Bon bah voilà, hein, du coup, une journée dans la peau d'un cow-boy, ça donne ça. Tu sais pas pourquoi je prends mon accent de cow-boy là? T'as kiffé l'équitation? T'as kiffé devenir un cow-boy? Les amis, est-ce que vous avez kiffé le western, l'équitation? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. Ouais, surtout il faut s'abonner les gars, parce que franchement, je pars de loin quand même. Mettez-nous en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode. Donnez-nous aussi d'autres défis à réaliser en commentaire. Et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Mon amour, c'est ce que je veux. Je te promets, je serai la femme la plus gentille du monde. Ouais. Et t'as vu, je te demande pas de montre, je te demande pas de birkin, pas de sac à main, pas de chaussures. Achète-moi un lama. Un lama? Mais sur ma vie, il veut cracher. Oh, la vie de ma mère, il a mis ses oreilles. Bébé, il a les oreilles cheloues, là. Il a les oreilles cheloues, non? Oh, la vie de ma mère, il va cracher. La vie de ma mère, il va cracher. Mais arrête avec ton truc! Oh là là!